Pourquoi d'un seul coup j'ai cette chanson de Rabbi Jacob? Je me fatigue. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes qualités et défauts à travers l'alphabet. Il y a des lettres que j'ai volontairement sautées parce que j'ai pas trouvé ou surtout... On y va. Amicale et angoissée. Boudeuse. En fait je sais pas pourquoi j'ai cette attitude un peu de gamine, mais je boude. En fait si je me dispute avec quelqu'un, je vais bouder. Bordélique. Il y a ce côté bordélique chez moi parce qu'il y a des phases où effectivement je vais mettre... dans n'importe quel tiroir, des objets qui n'ont absolument rien à faire les uns avec les autres. C'est comme cyclothymique, j'ai pas du tout hésité pour ce terme. C'est quoi la cyclothymie? C'est tout simplement avoir des fluctuations d'humeur, passer du rire aux larmes, gens qui rient, gens qui pleurent. Je dirais chanceuse. Alors ça c'est quelque chose qui n'émane pas forcément de moi, mais que j'ai pu remarquer au fur et à mesure de mes diverses expériences. C'est vrai que mes proches me disent souvent que j'ai beaucoup de bol et... C'est pas tout à fait faux puisqu'il m'est arrivé bien souvent d'avoir un bol de fou. D comme donneuse de leçons. Ça c'est un truc qui est très chiant chez moi et très chiant chez les vierges en règle générale. C'est ce côté très critique mais critique abusive j'ai envie de dire. Dans mon couple par exemple c'est très souvent où je suis donneuse de leçons et il n'y a pas qu'à travers ma relation. Il y a aussi avec mes amis, avec mes proches au sens large. Je suis absolument donneuse de leçons, c'est-à-dire que tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, ben je suis une casse-pied quoi. Il y a un côté très dramatique chez moi, alors quand je veux dire dramatique c'est plutôt dans le sens où la moindre petite chose qui va me contrarier, je vais m'en faire un monde, je sais pas, je vais avoir un côté marseillaise en moi, mais un petit élément qui va me perturber, qui va m'agacer, et ben je vais en faire un truc de fou, je vais extrapoler, je vais être excessive, et je théâtralise énormément mon comportement, et ouais, j'adore les drames. Eux comme émotive, ça c'est sûr et certain, parce que je pleure très facilement, et plus je vieillis, plus je remarque que j'ai la larme extrêmement facile. Je dirais empathie. L'empathie parce que je suis beaucoup dans l'analyse, dans l'écoute de ce que disent ou font les gens. Ce qui inclut aussi le fait de donner des leçons, bien sûr. Mais j'adore écouter les gens, j'adore les conseiller et j'ai ce côté, je me mets à leur place, j'écoute et d'ailleurs c'est là est tout l'intérêt de mon métier. Faut toujours que t'ailles faire caca quand je suis en train de filmer hein. Allez, sors, allez, dépêche-toi, tu m'embêtes là, allez. F comme feignante, parce que j'ai la flemme de tout. Il faut me pousser pour la moindre activité, sauf si vraiment j'y trouve un intérêt. Mais globalement, j'ai la flemme. Je suis quelqu'un qui a la flemme. Franche, je pense que de manière générale, je dis quand même les choses. Alors après, ça va être dit peut-être avec des pincettes, peut-être que je vais vachement choisir mes mots, peut-être que je vais pas le faire de manière très, très claire. Mais en tout cas, voilà, dans la franchise, c'est plutôt le côté, je vais dire les choses. Bon bah H comme hystérique hein, parce que c'est clair que je suis quelqu'un de très excessif, de très hystérique dans mes émotions, que ce soit les larmes, la joie, tout ce que vous voulez, la colère, bien que je suis pas quelqu'un de très 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 colérique, mais ouais je suis quand même assez hystérique hein, je pense que ça se voit dans mes vidéos, des fois vous avez tellement l'impression que je surjoue mais je suis comme ça dans la vie. Je dirais aussi humour, je crois que j'ai vraiment envie dans ma vie de faire plaisir aux gens en les faisant rire, en leur changeant éventuellement les idées. J'adore les faire rire, j'adore être ce clown, j'adore raconter des bêtises. Des fois je fais des bides hein, comme tout le monde, mais j'aime vraiment être ce personnage dans un groupe. J'aime être le personnage qui fait rire. Hésitante. Alors s'il y a bien quelque chose chez moi qui est chiant, c'est que j'hésite sur absolument tout. Je réfléchis sur tout, je pèse le pour et le contre. Des fois j'ai l'impression que parfois on a l'impression que sur deux produits qui sont absolument similaires, je vais hésiter de manière exagérée. Mais pour moi, il y aurait vraiment un intérêt à réfléchir, à faire un choix. Et en plus je déteste faire des choix, donc c'est un peu compliqué. I comme impatiente. Je déteste attendre. Je déteste... quand c'est pas tout de suite en fait. Alors J comme jovial évidemment, ça me fait penser quand vous passez des entretiens professionnels et qu'ils vous demandent vos qualités, vos défauts,
Vous êtes quasi sûr que la plupart du temps je vais sortir le jovial. Alors ça peut faire hyper cliché parce que on sait très bien que lors des entretiens tout le monde sort à peu près les mêmes choses. Moi j'essaie justement de pas faire ça, mais c'est clair que je suis quelqu'un de jovial. On peut pas dire de moi que je suis quelqu'un, je pense, de terne et de triste et de nerf quoi, pas du tout. Je suis bien le contraire et donc ouais, il y a ce côté-là. J'irai aussi joueuse parce que j'adore embêter mon monde, parce que j'adore taquiner les gens. Lâche. Et ouais, je suis grave lâche parfois parce que j'ai tellement peur en fait parfois de blesser, des mauvaises réactions, et ça emmène à l'angoisse, et du coup je préfère parfois être lâche, me taire, rien dire, bien que je sois, vous savez, je suis très paradoxale, en fin de compte, bien que je puisse dire des choses de façon très très franche, je peux être très lâche. Je n'aime pas le conflit et j'ai pas envie de monter au conflit, donc je préfère quand c'est comme ça être lâche. Lunatique. Ça, c'est sûr et certain, je peux passer, je vous le disais tout à l'heure, alors ça relie un petit peu le côté cyclothymique de ma personne, je peux passer du rire aux larmes, je peux être le matin d'une humeur certaine et très bonne, et le après-midi être énervée, saoulée, avoir envie d'être seule, etc. M comme multifacette. Parce que vous allez certainement vous rendre compte qu'au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a des choses qui sont complètement paradoxales et pourtant c'est bien ce qui me caractérise. Donc multifacette parce que en fin de compte je suis pas certaine que je sois si facile à cerner. Maniaque qui est à l'opposé de bordélique en fin de compte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le côté cyclothymique m'amène en fin de compte à avoir ce côté heureux et ce côté très très triste, très angoissé. Le côté heureux se caractérise par je m'en fous, l'enfoutisme, le tout va bien, le je me prends pas la tête. Et les phases où je suis un peu plus angoissée, ça va se caractériser par il faut que je contrôle, il faut que je reprenne le contrôle des choses. Et de mon côté, quand j'angoisse, souvent c'est parce qu'il y a une perte de contrôle. Et vous allez voir, je déteste perdre le contrôle. En haine, j'ai pensé à naïve. Mais j'ai encore une fois changé, c'est un trait de caractère qui m'a énormément collé à la peau, mais en grandissant, bah, j'ai perdu un petit peu cette naïveté. Alors du coup la naïveté, on va dire, dans le sens un peu trop gentil, je l'ai perdue. Par contre le côté naïf en femme-enfant, je l'ai gardé. J'ai pensé à naturel, parce que naturel, alors on peut être naturel tout en étant fardé, tout en portant des extensions, tout en ayant des implants, j'en sais rien, mais moi ce qui caractérise une personne naturelle, c'est pas son apparence physique, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage, etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a souvent dit de ma personne que j'étais quelqu'un de relativement simple, naturel. P comme perte de contrôle, s'il y a bien quelque chose qui me fait flipper, c'est de ne pas maîtriser les choses et de perdre le contrôle. Je sais très bien qu'il faut lâcher prise, on nous dit de lâcher prise, etc. Mais j'ai pas encore trouvé la solution. Si vous l'avez, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'économiserait énormément d'énergie. Mais alors la perte de contrôle, ça c'est quelque chose que je redoute énormément. Et le côté maniaque, bordélique et tous les paradoxes liés à ma personnalité à double facette en fin de compte, oui je suis cinglée. Et la chose c'est que ouais, perdre le contrôle des choses, ne pas maîtriser, ne pas diriger, c'est très difficile pour moi. Pantouflarde, j'adore rester chez moi. Il faut souvent me pousser et me donner des coups de pied aux fesses pour que je sorte de chez moi. Tellement j'aime être dans mon cocon avec les bougies, avec mon thé, avec ma série, mon dessin animé, etc. Ah ouais, mais je suis gavée pantouflarde. Alors même l'été, hein, c'est pour vous dire, même quand il fait 30 degrés, je vois souvent les gens dire « Oh, on allait se balader au parc, on allait faire un tour et tout. » Alors déjà, moi, je suis pas nature. Et en plus de ça, c'est ce genre de truc où à chaque fois, je dis « Mais pourquoi faire ?» R comme raison. Je fonctionne à la raison. Par rapport à ce que je vais faire dans la vie, les décisions que je vais essayer de prendre, ou ce que je vais dire, ou quand je vais conseiller, je vais toujours partir sur quelque chose de raisonnable. Rêveuse parce que j'ai une bonne imagination et parce que j'imagine souvent des choses pour le futur proche ou lointain de toute façon. Et j'ai ce côté très rêveur, très susceptible. C'est un truc qui est hyper chiant chez moi. Mais j'en ai conscience, voilà. C'est que je me vexe, mais extrêmement vite, ce qui est pénalisant parce que les gens qui ne me connaissent pas suffisamment ont toujours cette impression de devoir en fin de compte marcher sur des œufs, faire attention aux mots qu'ils emploient et imaginer que je puisse prendre, et ils imaginent que je peux prendre n'importe quoi très mal, ce qui est
Ce qui est vrai. L'avantage de ce défaut, je pense qu'un de mes défauts majeurs, c'est que j'entends les choses. Ça veut dire que ça m'atteint, ça veut dire que je les entends, ça veut dire que je suis susceptible aussi de me remettre en question. C'est comme tête en l'air. Alors là, j'oublie tout, j'ai pensé au mot tactile, mais parce que je suis absolument le contraire d'une personne tactile. Je déteste qu'on me touche. Je suis pas câlin, je suis pas bisou, je suis pas à toucher les gens, j'aime pas qu'on me touche. Alors je n'aime pas cette proximité physique. Ce qui est marrant, c'est que par contre, exprimer les choses à l'oral, ça me semble plus simple que les exprimer au travers des gestes. Et enfin, pour terminer, la dernière lettre que j'ai trouvée, c'est le V. V comme vulgaire. Alors pas vulgaire dans le sens montré, c'est ça, hein, c'est pas ça. C'est plutôt vulgaire parce que je dis trop de gros mots, je dis... En fait, je suis un peu trop spontanée, je suis un peu trop naturelle, justement, j'ai les choses comme elles me viennent, et des fois c'est gras, c'est hyper marrant parce qu'il y a souvent un monde entre mes attitudes de fille superficielle, surmaquillée, etc., et ma façon de parler un petit peu en mode José le routier, quoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça vous a permis d'en apprendre beaucoup plus pour moi en tout cas. Si jamais vous refaites ce genre de tag, n'hésitez pas à me mettre le lien en dessous pour que j'aille regarder. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !